Géo, c'est pas mal. C'est pas mal, peut mieux faire, mais c'est pas mal. Ah oui, on a fait ça, parce qu'il nous restait beaucoup de... Il nous en restait beaucoup. Et du coup, on a ce truc-là, qui me servira sûrement à rien, qui va probablement partir à la benne, parce que je vois pas ce que je pourrais en faire. C'est joli, hein, mais... Putain, mais c'est... Si, je pourrais faire des crash tests avec, voir si c'est solide. Mais je crois qu'il est pas tout à fait solidifié, je crois. Ça va être bien. C'est plutôt joli, hein, le... Ce genre de choses. Ok. Mais ça, j'ai l'impression que c'est vraiment ce qui vous fait le plus kiffer. Mais j'avoue qu'il est quand même sexy. Cette pile est sexy. Mais j'ai quand même une petite préférence pour les condos. Tu es classé en chest setting? Ouais, tout le temps. Un rond de serviette également. J'avoue, ça fait rond de serviette. Mais ouais, c'est fait exprès, le chest setting. C'est pour avoir une meilleure visibilité, tout simplement. Et parce que je sais pas, c'est là que je me sens le mieux. Oui, j'aurais pu me mettre en DIY ou je ne sais quoi. Mais je sais pas, just chatting, je me sentais bien. Alors pour éviter de foirer celui-là, je vais faire sur un autre un peu moins intéressant. Genre le bleu, tiens. Tout à l'heure, on a réussi à en décoller un, mais pas évident. Science et technologie, ouais, j'aurais pu aussi. Je pourrais. Mais je préfère just chatting. T'as vraiment plus de visibilité et c'est plus intéressant. Est-ce que ça s'enlève ça? Oui, monsieur. Donc ça, il paraîtrait qu'il faut le faire glisser. J'espère juste que ça va pas rayer mon truc. Tac. Tac. Ouais, c'est vrai qu'on parle beaucoup. Faire le tour complet. Oh, ça a l'air pas mal du tout cette histoire. Oh bah oui. Oh bah oui, monsieur. Bah c'est nickel ça. Ouais, c'est vrai qu'on parle beaucoup. On parle beaucoup. En soi, je me sens pas intrus dans Just Chatting. Quand j'aurai une plus grosse communauté, peut-être que j'irai dans d'autres. Là, je me demande s'il faudrait pas que je le nettoie à l'alcool ISO, parce que je le trouve vachement peu net. Hop, alcool ISO. Quand j'aurai un peu moins besoin de visibilité, j'irai peut-être ailleurs. Histoire de plus correspondre, effectivement, mais là pour l'instant, en vrai. Je suis bien en just chatting. Pendant un moment, il y avait une catégorie IRL sur Twitch. Mais elle n'y est plus. Est-ce que vous voulez voir ce que ça donne une fois que c'est allumé, ça? Au final, ça, faut bien, bien, bien les remplir. Parce qu'au final, là, je ne l'ai pas beaucoup rempli. Et bienvenue à toi, Mercury Berserk. Merci pour ton follow. Pas mal. C'est pas mal du tout, ça, hein. Y a vraiment moyen de faire un truc cool, hein. Alors attendez, normalement, si je prends.
La fibre optique, ouais, c'est ça. C'est ça, ça fait un peu comme de la fibre optique. Normalement. Ah, attendez, il y a un plus et un moins. Faut que je fasse attention, il y a un sens sur ces trucs-là. Pour lui. Ah merde, il me le dit pas. Normalement, le plus, c'est la patte la plus longue. Normalement. Ah non, l'inverse. Bah alors. Ah bah alors. Je l'ai cramé déjà. T'as gagné ASMR visuel. Ouais, ASMR visuel, tout à fait. Parce qu'il y a plein de gens qui passent et qui me disent, ouais, c'est super satisfaisant ce que tu fais. Et ça rend super bien. Moi, j'aime beaucoup. Il y a moyen de faire un truc cool, hein. Mais alors, attends, c'est bizarre, parce que ça, c'est censé être 3 volts, normalement, ces petites piles-là. Bon, visiblement non. J'ai dû me tromper. Et du coup, tu peux te faire un petit porte-clés avec des petits piles. C'est une pile plate. Ouais, c'est ce que je veux faire du coup. Tu peux te faire un porte-clés avec ce genre de choses, quoi. Petit porte-clés lumineux, ma foi, swaggy. Pile neuve. Ah, là, ça marche. Eh, c'est pas mal, hein. En vrai, ça marche super bien. Ça marche très très bien. Un sabre laser. Attends, j'ai le rouge là. C'est plus que pas mal. Ah, j'aime bien le rendu. J'aime beaucoup le rendu. Attendez, on va en faire un autre. Je garde le meilleur pour la fin, hein, bien sûr, hein, vous vous en doutez. Hop, parce que la technique du WD-40, ça marche pas mal, hein. Hop, on enlève la tige. C'est la première fois que j'utilise du vrai WD-40. Comment ça s'appelle en bombe. J'utilise tout le temps le contact. Je n'ai jamais besoin de celui-là. C'est pas mal. Hop, t'insères la tige au fond. Hop, tu mets un tout petit spray pour pas en foutre trop. Tu peux réenlever la tige. Faudrait avoir un ruban LED. Oh bah t'inquiète, je pense que là avec la résine on va en faire des choses. Ah bah merde alors. C'est un peu trop enfoncé. Ça m'arrive tout le temps. Bon, désolé, c'était gratuit ça. Eh ben dis donc, j'ai grippé le truc. Pince. J'avais une pince, fut un temps. Une pince. Normalement, un bricoleur, ça dépince. Mais du WD-40, ouais, c'est ça. Alors WD-40 c'est magique, hein. C'est sûr, ça marche bien et tout. Par contre, on n'en met pas sur les dans les consoles et tout, hein, s'il vous plaît. Faites attention. Les gens qui réparent les Joy-Con avec ce WD-40 là, qui est lubrifiant, c'est mauvais bail, hein. Parce que ça vous laisse une épaisse, un dépôt de gras dessus, assez terrible. Hop, regardez ça. Nickel, ça sort. Donc ça, va falloir que je les nettoie après. Voir ce que ça donne. Et ça sort très bien. Ça m'arrive tout le temps. Oh, j'ai fait exprès, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. J'avais deux chiffons. Pareil. Alcool ISO pour enlever le gras du WD-40. J'ai peur que ça fasse des traces, en fait, mon alcool isopropylique.
Là, ça fait quand même des traces, hein. Le WD-40. Donc je vais pas l'utiliser, je vais arrêter avec le WD-40. Faut faire trouver une autre technique. Ça fait des belles traces. Hop, en rouge. Donc la pâte la plus grande, c'est le plus. Waouh. Ça marche bien. C'est pas dégueu. Ah, c'est marrant, c'est l'une ou l'autre. Ah, faut pas trop en demander. Du liquide vaisselle. Liquide vaisselle, ça c'est bon plan, ça. C'est beau, hein? C'est beau. Ah, je suis content. Il nous reste le vert. Le vert, on va tenter encore une autre technique. WD-40, c'est bien, mais ça fait des traces. Et j'aime pas quand ça fait des traces. Contre, je pense que sa tige peut nous être utile. WD-40. Vois, si tu... Donc là, tu enlèves les pattes de ta LED. Tu décolles sur les côtés. Oh, la lumière. Je peux mettre un peu moins de soufflette. Je pense soufflette, ça peut le faire aussi, ouais. Tac. Ça, tu le glisses jusqu'en bas. Hop. Tu l'enlèves. Pour enlever tout le WD-40 dedans. Hop. Jusqu'au bout. Moi j'attends de voir, c'est celui-là vraiment. Celui-ci va être hyper sexy, je pense. Là, c'est pas évident. Et je me demande si j'aurais pas dû du coup mettre de l'eau. Et là, vous savez ce que moi ce que j'aurais pris là, du nettoyant à écran. Ça aurait été le feu, le nettoyant à écran. C'est encore un peu flex, hein. J'arrive, je cherchais du nettoyant à vitre. J'ai craqué. Comme quand tu poses un joint de baignoire. D'ailleurs, en parlant de joint de baignoire. On avait une fuite sur le nôtre. Le joint de baignoire, il était tout bouffé, tout noirci et tout. Bon, bref, il avait besoin d'être changé. Et le mec, qui est payé par l'agence,
vient pour le changer. Et du coup, on voulait pas le faire. Nous, on arrive dans l'appart, il est tout neuf, on va pas le faire, quoi. C'est pas à nous de le faire. On paye déjà assez cher de loyer, etc. Et le mec vient le faire. Et en gros, ce qu'il a fait, il a mis les joints, les nouveaux joints par-dessus les anciens, sans rien faire. Et il est reparti. Ah bah 15 minutes, c'était torché, hein. Ça fait plaisir. Normalement, quand tu fais ça bien, du coup, plombier, hein, le monsieur, hein, plombier. Hein. Et normalement, quand tu fais ça bien, tu grattes tout. Tu grattes tout et t'enlèves ton joint et t'en mets un nouveau, quoi. Tu nettoies bien et après, tu laisses sécher. Donc bon, cool, hein. Cool, le plombier. Qui a dû se faire payer une fortune par l'agence. Ils ont mauvaise réputation, non mais c'est terrible. Hein. Jean-Michel, j'ai pas le temps, mais c'est trop ça. Du coup, un peu deg pour cette première intervention d'un vrai plombier. Alors, le verre, qu'est-ce qu'il dit? Un pansement sur une jambe de bois. Non, mais c'est trop ça. Bon, au final, là, on a de la chance, ça tient. Mais l'enfer, quoi. Tu sais pas combien de temps ça va tenir, quoi. Oh, celle-ci, elle éclaire pas grand-chose. La verte, elle a peut-être besoin d'un peu plus de patates. Mais du coup, le nettoyant vite, ça a l'air un peu mieux. Je me demande même si après un petit coup de polish pour le faire briller à fond, ça marcherait pas mille fois mieux. Et il nous reste celui-ci. Tu as des professionnels qui travaillent comme des amateurs, tu as des amateurs qui travaillent comme des pros. Et même plus. Ouais, non, mais ouais, c'est ça. Alors, du coup, ça fait chier, tu vois, Tu fais appel à un professionnel, tu te dis au moins tu vas être tranquille, le mec il va te faire ça bien et tout, mais au final non. De quoi refaire le joint autour de la baignoire. Le produit que j'ai pris lui-même me disait que de pas me faire chier et repasser par-dessus l'ancien. Ah ouais? C'est fou ça. Terrible. Qui est payé au forfait, donc très mal. Ah ouais, il y a ça aussi peut-être, ouais. Ça doit pas aider. Mais qui voulait tout enlever. Le pire, moi, c'est que. Oh bah merde, ça éclabousse. J'étais allé en magasin et je voulais pas me faire chier pour la première fois refaire mes joints. Et j'avais acheté la bombe toute petite qui coûte 19 euros, je crois, un truc comme ça, une vingtaine d'euros. Et qui est censée te refaire les joints hyper simplement. Tu vois, c'est pas dans un pistolet, c'est une bombe comme la bombe de WD-40 en fait. Et au final. On l'a mis, il a jamais séché ce truc-là. Ça a jamais séché. Donc juste l'enfer. L'enfer. Et on s'est vraiment retrouvé avec un truc de merde. Et au final, j'ai acheté la marque. Mais non, trop stylé. Ok, c'est beaucoup trop stylé. C'est beaucoup trop stylé. Et du coup, au final, on s'est retrouvé avec un truc qui a fui pendant je sais pas combien de temps. Alors, mon moule doit pas être parfait parce que j'ai un trou là. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais ça a trop de la gueule. Pour le gars qui est venu changer le chauffe-eau, il testait les phyto-briquets. Mais c'est une blague. C'est une blague. C'est pas possible.
C'est pas possible de faire ça. Tu fais pas ça, mais je sais pas. On fait comme ça dans le métier. Et après, ça explose dans le je sais pas quel arrondissement de Paris. Cause d'un plombier qui a décidé de tester. Mais non, mais c'est pas possible. Mais même dans les mines, il faisait pas ça. Hé. Ça, normalement, c'est le plus stylé. Je sais pas si vous voyez bien. Avec les petits condensateurs sur le dessus, ça fait un cône. Vraiment, vraiment stylé. Et normalement, si je fais ça, je peux changer la couleur. Il fait l'électricien aussi, il met les deux doigts dans la prise pour voir ça. Non, mais vous savez, les compteurs électriques de nos jours, ils sont bien faits. Hein. Et du coup, tu peux même faire changer de couleur. T'as rouge. Orange, t'as bleu, t'as rose, t'as vert. Ça promet que j'ai mis une bougie sur celle-là. Ah, mais je sais pas ce que je vais faire avec, mais c'est trop stylé. Je ne peux dire que ça. Ah, mais la LED là. Et ça, c'est des LED qui coûtent pas très cher, hein. C'est des LED qui coûtent pas hyper cher. Hein. Alors après, j'ai un défaut dedans et qui vient de mon moule, je pense. C'est un peu dommage. Tant pis. Mais regardez. Ici, j'ai un petit trou. Ça se voit. Mais bon, après, en même temps, si tu le mets comme ça, en vrai, ça passe. LED plus résine égale win. Ah, mais c'est clair. C'est clair. Et la meilleure méthode, c'est ça. Nettoyer en vitre. Impeccable. Ça fait pas de traces. Avec le tube du WD-40 pour le glisser tout autour, ça fait pas de rayures. Impeccable. Et ça a vraiment de la gueule. Parce que du coup, on a nos petits condensateurs qui sont dedans. Qui sont tombés dans le fond. Et ça rend trop bien. Et j'avais peur que... En les laissant tomber comme ça, vous saviez, ça fasse des bulles et que ça fasse des trous en fait. En fait, non, ça c'est hyper bien. C'est nickel. Le palpé roulé avec le tube. Le fameux palpage de tube. Et donc, ces trois trucs-là, bah, du coup, va falloir que je les nettoie. Que je mette. Je sais pas comment je vais faire pour nettoyer ça. Tant que j'ai mis du WD-40 dedans. Je vais voir avec du dégrippant autre chose. Mais pour le coup, là, on a un truc sympa de ouf. Hein. On a vraiment un truc sympa de ouf. Il n'y a pas trop de bulles, hein. En vrai, je suis assez content du résultat, hein. Si on fait un petit compte-rendu du bordel, il n'y a pas trop de bulles. C'est méga smooth, c'est hyper transparent. Je suis vraiment très content. Et bienvenue à toi, Passforce. Merci pour ton follow. Avant de mettre la résine. Ouais, mais les graisser avec quoi? Moi, j'ai peur que la graisse, ça fasse des traces, en fait. Faudrait que je vois, faudrait que je regarde d'autres tutos. Lui, c'est marrant, comme moule, il a des petites rainures. Mais c'est beaucoup trop stylé. Regardez-moi à quel point c'est transparent. C'est trop transparent, c'est trop trop bien. Je suis assez fan, là, de ces quatre petites choses-là. La résine, je crois que je vais bien m'amuser avec. Tu peux faire des fausses lunettes rétroéclairées. Non, mais après, le problème, après, le plus compliqué, ça va être de trouver des moules, en fait. Parce qu'autant te dire, le silicone, comme ça, c'est un peu compliqué à récupérer.
Alors j'en ai vu sur internet qu'ils les faisaient eux-mêmes, les moules. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils font leur impression 3D de ce qu'ils veulent. Ensuite ça, ils le mettent dans un moule en plâtre, je crois, un truc comme ça. Et de ce truc-là, ils font couler du silicone liquide qui vient durcir après et ils ont un moule en silicone à la fin. Mais ils te font un truc vraiment parfait, quoi. Sinon, c'est compliqué de faire un truc en résine. Donc, pour faire un truc vraiment stylé. Après, je pense qu'il y a moyen de te faire des moules, genre plutôt simples, genre des boutons de manette. Des boutons de manette, ça peut être stylé. Des coques de manette, c'est mort. Ça, je pense que c'est mort, mais genre ce genre de choses-là. Des boutons de manette. Ça se fait, ça. C'est pas grand, c'est tranquille. Franchement, c'est plutôt tranquille à faire, en vrai. Ça peut rendre super bien. Il y a pas mal de choses. Ah bah vous voyez, j'ai une bulle tout au bout. Au bout du cône, c'est censé être plus pointu que ça. Et je pense qu'avec ça, il y a moyen de faire des trucs stylés. Avec celui-là, peut-être avec un Arduino, je sais pas, ou un petit circuit simple. Je sais pas avec quel genre de circuit je peux faire des trucs stylés avec ça. Attends d'ailleurs. Normalement, cette LED-là, je l'ai eue avec. Avec un pack Arduino. Et normalement, ils te mettent ce que tu peux faire avec. Alors, ce qui est chiant, c'est que, tu vois, Super Starter Kit, Uno 3. Et ils te mettent tout ce que tu as. Et t'as une RGB, t'en as qu'une seule. Mais sauf que du coup, avec quoi c'est contrôlé? Est-ce que c'est contrôlé avec genre ça? 74 HC595, qu'est-ce que ça fait ce genre de choses? Est-ce que c'est fait pour contrôler des LED, par exemple? 595 et c'est censé faire quoi ça? Ah bah c'est pour des LED effectivement. Et ça fait quelque chose. Ah mais c'est fait pour être utilisé avec un Arduino en fait. Ah ça permet de contrôler plusieurs LED indépendamment mais via pas beaucoup de via pas beaucoup de sorties Arduino en fait. C'est à ça que ça sert. Ouais, ça a l'air d'être pour les matrices de LED effectivement. En vrai c'est cool. Et je suis pas sûr qu'en vrai utiliser un Arduino pour contrôler ne serait-ce qu'une LED c'est pas un peu overrated. Et salut Alpha. Tu vois, c'est pas un peu over. Enfin, tu m'as compris. Après, j'ai pas mal d'autres petits chips qui pourraient potentiellement faire le taf. Faut que je vois ce que je fais avec. Tu te sers de l'Arduino pour coder le chip. Après, je me dis ça. Tu fais un montage sans l'Arduino. Ah, d'accord. Atini 85. Ça peut se programmer avec l'IDE Arduino. Atini 85. Ça, on m'en parle tout le temps de ce genre de petite. De ce genre de petite machine. Et. Ah, c'est des toutes petites puces comme ça. C'est trop mignon. Et du coup, t'as besoin que de ça. Ah, c'est pour ça que c'est utilisé partout. En gros, tu mets un tout petit programme dessus et tu t'en sers pour contrôler d'autres choses. Excellent. Trop bien. Ça coûte cher, ces petites machines? Atini 85. Faut que je m'en commande, c'est sûr. Et projet prototypé avec un Arduino complet. C'est fou ça. Parce que du coup, ça s'exécute comme un Arduino, non? En gros, tu viens programmer ton truc. Tac, et après tu vires ton Arduino de là, c'est ça? C'est fou. Et après tu miniaturises ton truc à fond quoi. T'as juste besoin d'une pile 3 volts et t'alimentes tout le truc et tu te fais plaisir. C'est fou ça. Eh, je connaissais pas du tout. J'ai vu que Heliox a fait une vidéo dessus. Je suppose que ça doit pas coûter grand-chose. Ah quand même, peut-être sur AliExpress moins cher. Ah, il y en a qui se branchent directement en USB, c'est beau. Ah, c'est peut-être aussi pour faire des trucs pas forcément cool. Tu remplaces ton Arduino avec ça, oui, excellent.
Je m'attendais à un truc vraiment moins cher que ça, mais en vrai, ça va, 1 $, t'en as un. Franchement, que demande le peuple, hein. Vraiment, c'est pas cher du tout. Ça vaut plus le coup de le prendre en lot. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Si j'ai à en acheter, je pense que j'en prendrai en lot. Et pour ceux qui voient pas de quoi on parle, je peux vous montrer. 36 centimes, le moins cher que je vois là. Ah ouais, sur quel site? Tu peux envoyer un sur le Discord. Tac, screen and cam. Montez le bon écran quand même. Hop. Pour ceux qui voient pas de quoi on parle, c'est ça. C'est une toute petite puce. Qui mettent que 2 écrous sur les 3, sur les supports de bras inférieurs. Ou qui mettent des colliers de serrage au lieu des goupilles sur les barres stables. Ouais, ça se fait bien. Je pense que t'es encore sur la discussion des professionnels, des plombiers, électriciens. Mais ouais, c'est assez fou. Donc en fait, c'est une toute petite puce. Est-ce qu'on en a une en photo? Voilà, ça. Tout petit. Et avec ça, tu la programmes et tu peux gérer des LED, des petits machins. Tu mets, en fait, tu la programmes. C'est ça qui est cool, c'est que tu la programmes. Donc après, tu peux faire moult choses. Et ça défonce. Ça défonce. Parce que du coup, ça miniaturise vraiment la chose. Juste avec ça, ça te permet de gérer ton ensemble de LED. Vraiment, c'est fou. Que tu peux utiliser ou détourner. Pour contrôler ta LED et avoir des effets assez cool. Ouais, bah ouais, je pense qu'il y a des trucs à faire. Il y a clairement des trucs à faire. Mais ça, c'est à voir. Ça, c'est à voir. En vrai, je suis trop content de ce rendu-là. Faut que je vois. Par exemple, là, les. Regardez. On a ça. Donc là, il me reste encore une pile PlayStation. Va vraiment falloir que j'aille démonter toutes mes PlayStation pour m'occuper de. Pour récupérer ces piles. Et bienvenue à toi, Lazine Création. Ah, un créateur ou une créatrice, visiblement, c'est cool. Donc pour ceux qui se demandent, j'ai acheté un kit résine et on a fait ce genre de choses. Hop, ça, 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 ceci, cela, et puis d'autres, mais un peu moins drôles. Et c'est vachement cool, c'est hyper transparent, enfin on les voit à peine sur l'image, c'est fou. Le logo PS dans la résine. Ouais, le logo PS peut être sympa aussi. Mais en vrai, je pense que la pile, c'est 1000 fois mieux. Parce que la pile, en fait, ce qui est cool avec la pile, c'est qu'elle est morte. Vraiment. Elle ne fonctionne plus. Donc vraiment, tu peux rien faire d'autre avec. Donc, je trouve ça stylé. Que le logo PlayStation, il faut vraiment que j'en trouve un cassé. Des goodies à gagner pour les subs. Bah écoute, j'y pense. En vrai, je pense que ça sera à gagner. Vraiment. Hein. Et là, on a la fameuse Suzy. Qu'on va mettre quelque part aussi. Donc je sais pas si je le mets dans celui-là ou dans celui-là. Celui-là ça fait un peu petit je pense. Ouais, c'est pile poil. Ah, celui-ci c'est pas mal. Parce que le gros carré, je sais pas. C'est des croches. Ouais, je sais qu'il se décroche, mais j'ai pas envie d'en utiliser un, c'est pour ça. Il y a celui-ci qui peut être pas mal. Celui-ci peut être pas mal. Et bah lui comme d'hab. Hein. Après j'ai vu qu'on pouvait le mettre aussi là, mais bon c'est pareil, ça va être un peu foireux. On peut le mettre ici, en mode médaillon pour chat. Comme ça, par exemple. Ça peut être sympa. C'est cool. Dans le rectangle, il n'y a qu'une lettre verte dessus. Ah mais après faire des porte-clés comme ça c'est vraiment des keychains quoi, ça, enfin c'est vraiment tu l'accroches à ton porte-clés et c'est tout. D'ailleurs ça serait cool de réussir à le faire en porte-clés là. Est-ce que je vais avoir un porte-clés qui traîne? Porte-clés de mon ancien boulot. C'est bon, non? Il est stylé. Vert, ça fait trop Xbox. J'avoue que ça ferait PlayStation 2. Du coup, c'est plus du bleu, non? Est-ce que la pile est bien rentrée dans la résine? Centrée dans la résine. Ah, bah, j'ai fait au mieux. J'ai fait au mieux. Mais en vrai, c'est de l'artisanal, hein, donc c'est pas parfait. Elle est peut-être un peu décalée à gauche.
T'as été GPX, inspecteur Cabri. J'ai retenu que Suzy, ça lui a fait du bien d'être démontée. Ouais, ça lui a fait du bien d'être démontée à Suzy. Non, j'ai travaillé au ministère de l'Intérieur. Et j'étais dans la D2A, direction de l'anticipation et de l'analyse. Et donc, tout simplement. Bah vas-y, fais-toi place, toi. Tout simplement, je faisais des sites internet pour pas mal de choses liées à la cybercriminalité, quoi. Tu as dans la profondeur. Ah non, ouais, oui, non, mais ça, tout à fait. Tout à fait, ce Blois. Et ça, je sais pas comment tu peux faire. À part peut-être utiliser un aimant. Mais tu vois, effectivement, elle est collée, elle est tombée au fond, en fait, la pile. Mais en soi, ça va, ça dérange pas trop, je trouve. C'est bien pour se la péter en soirée, tout à fait. Tout à fait. Non, mais en vrai, c'était cool, j'ai beaucoup appris. Et c'était vachement bien. J'ai fait 1 an chez eux, ils voulaient me garder. Mais je suis allé dans une autre boîte. Les couleurs en deux fois. Les couleurs en deux fois. Ouais, mais ça ferait pas une épaisseur. Faudrait qu'on essaye, hein. Faudrait qu'on essaye. Mais je crois qu'ils sont assez épais. Et je suis pas sûr de pouvoir passer mon truc là. Et j'ai pas envie de l'oreiller. Donc non, il me faudra autre chose. Faudrait que je trouve. Faudrait que je trouve autre chose pour porte-clés. Faudrait que je regarde sur AliExpress ce qui se fait. Hop, ce c'est des trucs qui coûtent vraiment pas cher, hein, les kits à porte-clés, je crois. Hop, on remet ça propre. Ah oui, c'est vrai, les maillons triangles. Ouais, c'est pas bête du tout, là, les maillons triangles. Tac. Après, sinon, je vous fais un truc DIY à fond. Avec du fil de cuivre, se faire un petit truc. Quand tu veux pour join. Oh, ok. Vous m'avez appelé? Vous m'avez pas appelé là? Si vous pouvez m'ajouter dans la discussion, je rejoins comme ça. Normalement, vous m'entendez pas. Où je désactiverai mon micro, mais normalement t'auras la cam et tu pourras cadrer si tu veux. C'est l'heure du stream MO5 bientôt. C'est pour ça que je vais pouvoir les raid. Allez, je vous fais un porte-clés en mode DIY à fond. En cuivre. Ah, ça y est. Ah merde. Attendez, attendez une petite seconde. Bah, je l'avais coupé le son de Skype. C'est fou de ma gueule. Mais d'accord, donc il se réactive tout seul. Super.
Super, le scalp qui réactive le truc tout seul. Tu auras tenu l'heure, tout à fait, j'ai réussi. Mais bon, prochainement, on va essayer de s'occuper de ça et ça va être cool. Désolé de vous avoir fait attendre comme ça. RIP les fragiles du cœur. Désolé si je vous ai fait, si je vous ai fait peur. Mais en tout cas, du coup, on va aller raid l'assaut parce que je pense qu'elle est maintenant en live, tout de suite maintenant. Je l'espère. Je crois. Pas sûr. Pas sûr qu'elle soit en live encore. Mais on va la raid une fois qu'elle sera en live. Bien entendu, c'est important. Ça fait avant tout plaisir. Parce que, en fait, pour ceux qui ne savent pas, je vais lancer un live. Enfin, je vais rejoindre un live avec l'association MO5. Meilleure association du monde, hein, tout simplement. Et je vais tout simplement les rejoindre et participer avec eux à un petit live où on va parler des actus rétro, etc. Des sorties qui sont faites cette semaine. Donc c'est plutôt cool. Donc je vous invite vraiment à me rejoindre là-haut. Ça va être sympa. Ça va être sympa. Il y a des très bons acteurs. Ça va être cool. Ça va être cool. Ils sont en live. Ouais, je sais, je sais. C'est pour ça. J'attends, ils vont pas tarder à lancer. Hop, je pense qu'ils vont lancer à 17h. Les actus rétro. Ouais, c'est ça. C'est assez original. Mais en vrai, c'est cool parce que c'est vraiment pour faire les choses bien et tout, parler de tout ce qui se fait dernièrement. Donc vraiment ça vaut le coup d'aller faire un tour. Moi, je vous invite à follow la chaîne d'ailleurs. À follow la chaîne. Pour ça, vous avez le lien directement juste ici qui est avec la commande Twitch MO5. Bien sûr, ça marche. Avec la commande Twitch MO5, comme ça, vous pouvez directement rejoindre leur comment s'appelle leur Twitch, tout simplement. Commander la même box Arduino. Ah bah cool. Bah en vrai, il y avait pas mal de choses dedans. En vrai, moi, j'étais très content de ce résultat, enfin de tout ce qu'ils ont mis dedans. Et en vrai, elle vaut le coup. Elle vaut le coup. Elle coûte combien? Je me rappelle plus trop du prix, moi, de cette dernière. Et donc en fait, je peux vous faire un anneau de porte-clés en cuivre de Minitel. J'ai trouvé sur Wish à 10. Ah bah c'est beau. C'est marrant, Wish, moi, vous commandez beaucoup sur Wish, vous ou pas? Moi, depuis qu'il y a eu le bad buzz Wish avec toutes les arnaques, etc., j'ai jamais commandé. Bon, ça a l'air un peu light et c'est pas hyper sexy au final. À accrocher au rétro de la R11. Non mais grave, t'accroches ça sur le dessus. Impeccable. Non mais en vrai, je pense que là, avec la résine, je vais en faire pas mal des choses. Hein. Wish, c'est chez Tan. Mais je pense que Wish, c'est un peu l'équivalent d'un Banggood, d'un AliExpress au final. C'est juste que quand c'est sorti, il y a eu beaucoup d'arnaques. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ce que je me dis du coup. Relotarion. C'est ce que je me dis aussi. C'est autant aller directement sur AliExpress. Mais bon, après, chacun fait comme il veut, en vrai. Chacun fait comme il veut. Ou plutôt, et j'ai eu un seul problème, ils m'ont remboursé direct. Bon, écoute, c'est tant mieux. Sachant que, bah, tant mieux, en vrai. Quand c'est comme ça, quand ça se passe bien, c'est royal. Hein. C'est royal. Donc, en vrai, cool. Cool de ouf. Après, moi j'avoue, j'ai jamais commandé dessus. Faudrait que je vois. En fait, il y a trop de pubs mensongères sur AliExpress. Oh là là, mais c'est trop stylé. Je suis désolé, mais je suis beaucoup trop conquis par ce truc-là. Ça me vend du rêve, comme rarement ça m'a vendu du rêve, ce genre de choses. Je vous le dis. Ça dépend de ce qu'il te faut. Parce que quand tu regardais, il marquait à chaque fois. T'as beaucoup le fameux vidéoprojecteur jaune, la grosse arnaque du siècle, qui sortait, qui te fait du full HD 4K, 144 Hz. Le truc, c'est un PC gamer. C'est un écran gamer, et au final, c'est de la grosse merde. Toujours sur AliExpress, avant, après sur Wish. Et le logiciel sur lequel. Ok. En vrai, je regarderai. Mais bon, dans tous les cas.
C'est pas cher. Le projecteur 144p, le fameux. Dans tous les cas, c'est pas cher et c'est beau ça. Putain, ça a trop de la gueule. Vous pensez qu'il y a moyen de faire un truc avec les deux? Ça peut être pas mal en vrai. Au final, la PlayStation 2, ça serait plus le bleu-violet. Après, moi, j'ai déjà acheté un projecteur à quelques euros et en vrai, il a fait le taf pendant très longtemps. Bon, tu regardais tes films dans le noir, mais. Bon, bah, elle est morte. Elle est tout simplement dead. J'aurais dû la tester avant. Ça pourra me permettre de tester la solidité du truc. C'est marrant, c'est qu'il n'est pas, il est pas tout à fait sec. Et il est encore un peu modelable. Elle pèle plus que la verte. Ouais, la bleue, elle pète plus que la verte. La rouge pète pas mal aussi. La rouge pète pas mal. Ah, je crois qu'il y a le voisin qui est en train de faire la litière de son chat. Sur la que sur Wish et remboursement direct, donc y a pas de problème. Bah, je pense qu'en vrai, j'y réfléchirai en vrai. On pense même s'il n'y a pas de problème. Ah bah bravo! Bah bravo! Bon là, comme vous pouvez le voir, sur le dessous, c'est pas rempli à fond. Et je pense qu'il va falloir que je rajoute... va falloir que je rajoute un peu de résine. Donc bon. Préservatif sur Wish, sinon tu vas avoir un cadeau dans 9 mois. Ouais, effectivement, ouais. Wish, c'est peut-être pas le bon plan pour acheter tout ce qui est bouffe, hygiène, etc. etc. Donc bon. Je sais pas si... Tac. En tout cas, c'est cool. Il y en a quelques-uns qui ont rejoint le Discord. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Vous avez quand même rejoint le Discord. Donc c'est cool. En plus, le Discord, vraiment, il est en train de s'étoffer en ce moment. Donc franchement, ça fait trop plaisir. Ça fait trop, trop plaisir. J'aime beaucoup. Vous êtes plus de 400 sur le Discord. Je suis vraiment content. Donc vraiment cool. Tu pourrais mieux contenir la lumière à l'intérieur, non? Ah, tu penses que si je bouche... Si encore des piles là-dedans. Oh! La pile PlayStation? Il y a encore de la pile dedans. Je suis pas sûr que ça change quelque chose. En soi, la lumière passe. Les tomates sur Wish, maintenant, elles poussent sur la main. J'ai une testicule qui pousse au milieu du visage. Propre. Propre. Donc la pile PlayStation de PS2, elle fonctionne encore, les gars. Donc ça se trouve, elle fonctionne encore. Donc si un jour on se retrouve en manque de piles, que ça devient extrêmement rare, bah on sait que celle-ci on a juste à percer d'un côté et de l'autre, on pourra l'utiliser peut-être. Excellent. Je sais pas si c'est solide aux rayures la résine. Lequel est mort? C'est le jaune, hein, je crois qu'il est dead. Est-ce que c'est solide? Après là, il est flex quand même. Je sais pas si c'est le meilleur bail. Quelque chose de réfléchissant. Peut-être que quelque chose de réfléchissant, effectivement, ça pourrait le faire. Mais je pense que le mieux pour garder la lumière à l'intérieur, c'est de faire des bulles. Il y en a plein qui le font. 50 euros de remboursé. Faut pas le faire, il y a le temps. Sinon, il bloque. Ça sent le vécu, ça. Ça sent le vécu. Ça a l'air solide, hein, quand même, le. Même au rayon, au final. Bon, après, il est pas. Je pense que quand il sera tout à fait sec. Est vraiment rigide. Ça se trouve, il sera jamais rigide d'ailleurs. On ne sait pas. On ne sait pas. Et peut-être qu'à ce moment-là, effectivement, je pourrais le rayer, le casser, etc. Mais là, effectivement, il a pas tout à fait, il a pas tout à fait cristallisé, je dirais. Ah, mais en fait, il est pas tout à fait. Dans les angles, dans les coins, en fait, il y a tout le temps des petites bulles qui se mettent. Je sais pas si vous voyez. C'est un peu la galère. Bon, après, ça se voit pas trop, c'est pas trop grave. Et je sais pas si ça se coupe bien, ce genre de choses. Et je pense qu'au niveau des rayures et tout, ça a l'air pas si mal que ça, en vrai. Ça a l'air pas si mal. Qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus.
Donc ouais, le prochain live, je sais pas si je vais les faire, ça vous intéresse que je fasse ça avec tout ce que je commande. Ça vous intéresse que je continue de faire de la résine en live ou pas? Ou vous trouvez ça pas hyper intéressant? Et on passe sur autre chose. Parce que moi j'avais trouvé ça cool. Peut-être que je ferai un tuto sur ma chaîne, je vais voir. Ça change un petit peu de la réparation. Je pourrais même faire en double. Ça peut être pas mal. Continue. Ah, ça vous intéresse quand même. Ah, c'est cool. Et je pensais aussi, du fait que ce soit transparent, on peut très très bien... Ça va te faire venir du public féminin, je pense. Bah, tu sais qu'on a déjà du public féminin hein, qui vient. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. On a déjà du public féminin qui vient de temps en temps, donc c'est cool. Et je pensais à peut-être mettre une feuille de papier. Donc comme vous voyez, pour Suzy, essayer de faire un petit décalco sur Photoshop ou autre. Et je le mets en papier. Ça, je le pose au bon endroit. Et comme ça, il y a écrit Atari au-dessus ou Suzy ou un truc comme ça. Et comme ça, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Bon, vous savez quoi? L'assaut MO5 vient de lancer son stream. Et merci Arrogant. Merci Arrogant pour ton follow, ça fait plaisir. Si du coup l'événement ça fait un magnète. Ah possible ouais. C'est possible ouais. Donc l'assaut MO5 vient de lancer son stream. Je vais tout simplement les raid instantanément. Donc je vous invite vraiment. Ah bah comment ça je peux pas les raid. Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Comment ça résulte notre found? Et je vais tout simplement les rejoindre pour un live. Donc vous voyez, on a fait 5h30 de live ensemble, mais c'est pas fini. Si vous n'en avez pas marre de voir ma tête, vous pouvez notamment rejoindre le live MO5. Et ça va être la folie. On va bien s'amuser. De la résine colorée, alors tu mets du colorant dedans, tout simplement. Me dis pas. Pourquoi ça marche pas? Alors attendez, je tente un truc. Tac. Si ça marche, si je fais raid, assaut MO5. Ah, c'est peut-être parce qu'il vient de lancer à peine, peut-être. Bon, bah, en tout cas, si ça fonctionne, je vous souhaite à tous une excellente journée. On se dit à demain, ou on se dit à tout de suite sur le live MO5. Hein, n'hésitez pas à le rejoindre en mars, et à follow, bien sûr. Et on se dit tout simplement à demain sur la chaîne de Recallbox, parce qu'on se verra sur Recallbox, et sinon on se voit lundi dans la journée pour du DIY, comme toujours, je ne sais pas ce qu'on va faire, on verra à ce moment-là, et on se rejoint également le soir à 21h sur la chaîne d'Edouard Rétro Découverte, vous le connaissez très bien. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente soirée, je vous fais plein de poutous, bah ça c'est fou ça, et à très bientôt. À très très bientôt. Je vous invite à rejoindre le raid juste en haut du chat. On n'hésite pas à rejoindre le raid. On va faire un petit coucou. C'est très motivant pour la suite. Ça motive toute l'équipe pour continuer à faire ce genre de live. Donc n'hésitez vraiment pas à les rejoindre. C'est très très motivant pour tout le monde. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous fais des zoubis. N'hésitez pas à follow en max, un max l'association. Merci Sper pour ton follow. Des bisous. À très bientôt. Et tchuss.